L'association Rabat Saleh Mémoire a lancé mardi sa saison culturelle pour l'année 2019, un programme riche centré sur la thématique du patrimoine culturel immatériel. Le programme, concocté par l'association avec des déclinaisons artistiques, théâtrales, musicales, culinaires et bien d'autres facettes du patrimoine immatériel, met l'accent notamment sur le patrimoine judéo-marocain de Rabat Saleh, qui sera au centre d'activité les 29 et 30 janvier, respectivement, au théâtre Mohamed V et à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Nous traitons deux questions essentiellement. La première étant la question du rôle des médias en tant que vecteur d'aide ou de développement à la conscience et à l'éveil au patrimoine. Que peuvent faire les médias dans l'intérêt général pour que toute question liée au patrimoine, à sa revalorisation et à sa contribution au développement du pays, notamment sur le plan touristique, économique et culturel, que peuvent faire les médias pour aider à cette prise de conscience renouvelée, systématique, à l'avenir. Fondée à l'initiative de bénévoles passionnés et engagés en 2014, l'association Rabat Saleh Mémoire se démarque par son action axée sur la mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels de Rabat Saleh et la sensibilisation du public à leur importance. L'action de Rabat Saleh Mémoire s'articule autour de la sensibilisation des professionnels, du jeune public, du public scolarisé et du grand public au patrimoine culturel, architectural, urbain, paysager et immatériel. Elle mène également des actions de préservation, de restauration, de réhabilitation, de renouvellement urbain et de valorisation en particulier dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.